Nous sommes aujourd'hui invités à une soirée caricative à Bruxelles organisée par Rallymar. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui ici parce qu'on fait plein d'actions, des bonnes actions, pour envoyer avec tous ces argents, on va l'envoyer dans un convoi au Maroc pour ceux qui en ont besoin. Nous avons avec nous le président. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous pouvez-nous nous expliquer un petit peu sur la soirée, le pourquoi? Donc je me présente Mokhtar Abdelkader, président de Rallymar. Donc ici, on est à une soirée caritative qu'on a organisée en partenariat avec la plateforme Saad al-Mahjar et la SBL Dar al-Ward, représentée par Najat Saadoum. Donc la soirée caritative concerne l'aide pour l'envoi d'un conteneur rempli de matériel médical, des couvertures, donc tout le nécessaire pour le froid. Et ce sera destiné, Inch'Allah, dans les petits villages reculés du côté de Bni Mlal, Ouazilal, etc. J'ai 80 euros. 100 euros. Voilà notre ami. 200 euros, notre ami. Fouad. Qui dit mieux? 110. 210 plutôt. Ouais, j'improvise. Hein, donc, 210. Une fois. 210. Deux fois. 210. Trois fois. 220 à côté. De l'autre côté, l'autre. 500 euros. 510. Il y a quelqu'un à 510, une fois. 510, deux fois. 510, trois fois. Adjugé à notre ami. Et j'aimerais bien appeler Fouad de venir pour le recevoir de la part de notre ami, le père de notre champion. Pierre Compagnie. En tout cas, on remercie chaleureusement notre ami Fouad pour ce geste, bien entendu. Comme vous le savez, c'est un geste. Non, c'est pas ma taille, je suis désolé. Non. Je revends. Notre ami change d'avis. Malikoum salam, matoullah. Donc vous voulez savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de la soirée? Ben, la soirée elle est formidable, franchement, beaucoup de solidarité, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Vous savez, je me rappelle d'un imam qui avait dit un jour, le plus important chez Dieu, c'est pas ce qu'il nous a donné, c'est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous a l'occasion de faire quelque chose. Un petit geste, mais pour nous qui est tellement petit, mais pour ceux qui sont de l'autre côté et qui attendent ce geste, c'est quelque chose de grand. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureux de voir une salle comble de gens qui sont prêts à être solidaires avec leur pays d'origine. C'est vrai que le Maroc fait ce qu'il peut, mais avec le petit chouïa qu'on apporte, ça peut soulager énormément de monde. Et j'en suis très fier et très heureux que les Bruxellois ont répondu présent à cette soirée aujourd'hui. Donc moi je suis ici parmi les artistes, donc pour
participer à cette action caritative, donc dans le but donc d'apporter de l'aide à des orphelins et à des handicapés, à du matériel spécifique à des handicapés au Maroc. Voilà. Donc c'était une prestation artistique. Voilà, donc, Et qu'en pensez-vous de la soirée en elle-même? Ouais, c'est une réussite. Il y avait la chanson, la musique, il y avait tous les styles, les couleurs diverses. Il y avait quand même pas mal de monde qui sont venus participer. Donc pour moi, c'est une soirée où on a passé des bons moments, où tout le monde a passé un moment convivial. Ah oui, bien sûr, je suis venu bénévole pour participer à cet événement, bien sûr, pour soutenir les orphelins du Maroc. Et je suis vraiment content de participer, que mes amis l'association Ralimar, ils m'ont invité pour participer dans cet événement. Et j'ai fait mon mieux pour être présent et participer avec les grands artistes qui sont étaient invités aussi. Ils ont participé aussi bénévolement. Et merci pour tout le monde qui sont présents, qui sont soutenus d'une façon ou d'une autre cet événement. Et aussi à vous pour avoir été présent. Merci. Nous voulons savoir, qu'en pensez-vous de l'initiative? C'est une initiative formidable et je trouve qu'il faut multiplier ce genre d'initiative. On doit être solidaire entre nous. Nous avons la chance de vivre dans un pays où nous avons plein de possibilités et surtout d'aider les gens qui sont en détresse et qui sont dans le besoin. Et je trouve que c'est de notre devoir que d'aider ces personnes et de les aider à mieux vivre et aussi à mieux supporter leur quotidien qui n'est pas toujours facile, et surtout en ce qui concerne les enfants, parce que c'est toujours ceux qui souffrent le plus, et les femmes seules aussi, les personnes âgées, enfin il y a des tas de populations qui souffrent tout le temps, et malheureusement il n'y a pas assez d'aide, et c'est pour ça que je encourage les gens à organiser et à multiplier ce genre d'activités pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin. Donc voilà. Ik zou graag weten wie dat je bent en van waar dat je komt. Ik ben Ines en ik kom uit België en uit Marokko. En waar in Marokko? In Oujda en Wedlo. En wat vind je van deze avond? Superleuk. Ja? En weet je iets ervan of niet? Beetje. Waarom hebben ze dit georganiseerd? Omdat ze de armen willen helpen in Marokko. Dat is goed. En weet je waar in Marokko er is? Of in het algemeen in Marokko? Nee. Nee? Oké, okay, super. Heb je nog iets anders te zeggen aan de mensen die ons kijken? Nee. Nee? Oké. Okay. Bye. Doe gewoon zo. Doe. Kom. Kom. We gaan terug doen en we gaan gewoon zo doen. Hey. Dan. Voilà.